Hein? Je vais parler. Tu vas parler de quoi? Elle est diable. Il dit qu'il va parler et tu vas parler. Qui l'empêche de parler? Demande. Ouais, donc viens, viens. Toi, tu parles à lui. Elle fait les sorciers, elle dit les diables. Elle dit quoi? Voyons, on peut traduire. Elle dit quoi? Ça. C'est qu'elle est. Il y a quoi? Où est-ce? Où est-ce? Où est-ce? Tu n'as pas tué. À quoi ça? Oui ou non, oui ou non. Tu n'as jamais tué. Alors, tu ne peux pas dire que tu as tué. C'est ça qui est en train de te tuer. Ici, là, c'est fais tes aveux, on va te délivrer. Quand tu venais, tu n'étais pas comme ça. C'est quand tu es venu, c'est lui qui a touché ta tête. Tu as commencé à te dégrader, tu es parti. Tu peux pas mettre ça sur moi. Je suis après la vidéo. Tu as commencé à te dégrader. Et tu es venu comme ça. Maintenant, tu es venu là. Au lieu de parler, tu es en train de jouer. Plus tu ne parles pas, plus ton état se sent. Regarde comment tu es. Ça a été pour toi. Ou bien c'est partout, on va, puis on est. Ici, là, quand tu es sorcier, ici, quand lui, là, tu touches, tu as des problèmes. Hein? Tu ne veux pas parler? Non. Ah, quand même. Après, c'est un cercueil, vous allez là. Mais, moi. Oui? Nickel, Il faut traduire. Ce qu'elle a dit un peu. Peut-être Dieu est en train de t'empêcher. Dieu même ferme ta bouche, il veut te tuer. Mais il y a le châtiment de Dieu. Dieu là, quand il veut te. La seule chose qui amène Dieu à délivrer une personne, c'est les aveux. Quand tu confesses, là, Dieu te pardonne. On dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu. Pour les avouer et puis décider de délaisser. Mais toi, tu caches ça. On arrive à un état de tout. Tu dis non, tu as trop fait. Mais ce n'est pas trop fait là qu'on veut écouter. Qu'est-ce que tu as fait en réalité? Tu dis, pour que Dieu te délivre. Si c'est d'autres églises, il y a longtemps, ils t'ont laissé. Ah, ils vont te chasser, tu vas aller mourir, tranquille. Vous qui êtes là, c'est la même chose qui va vous arriver. Je vous dis en même temps, vous qui êtes ici, là, celui qui va s'amuser à ça, c'est la même chose là, qui va arriver. C'est vos os là, qui s'est cassé, prac, vous allez aller mourir. Je ne suis pas en train de vous influencer. Hein.
Hier, j'ai terminé là-bas. Je n'ai plus te prendre. Tu es quoi de devenir? Tu es sorcier, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Mais qui t'empêche de parler? Tu n'étais pas comme ça avant? C'est quand tu as refusé de parler, là, tu es devenu comme ça? Là, tu m'as quand il demande, tu m'as suivi ça. Je vous ai dit la dernière fois, elle attendait, elle devenait folle. Pourquoi est-ce qu'elle est faillite? Ça, elle demande, on joue tout. Ah. Il a dit quoi? Ce qui est arrivé, il ne voit pas. Je n'ai pas compris. Il faut bien traduire. Il dit ce qui est traduit, ça. Il a dit. C'est pas ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait. Donc, pour bien parler français, hein, Dany, là. C'est pas ce qui est arrivé. C'est qu'elle-même. C'est pas ce qui lui arrive là. Et Dieu ne reconnaît pas. Quoi? Ce qui est arrivé, et Dieu ne reconnaît pas. Oh, tu parles pas bien. Elle n'arrive pas à exprimer. Pour nous prendre au sérieux. T'es traduit qu'elle. Pourquoi elle ne parle pas? Tu reconnais ta sorcellerie? Je peux demander. Où est-ce qu'elle est vague? Tu reconnais? Yes. Tu reconnais? Yes. Oui. Tu reconnais ça? Yes. Non, tu reconnais que tu es sorcière. Tu reconnais? Yes. Est-ce qu'elle est vague? Tu reconnais? Oui. Tu reconnais? Mais il veut. Quand il y a une nuit, c'est là, je ne crois pas qu'elle va s'en sortir. Là où c'est arrivé, là. Il veut qu'elle s'en sorte. Hein? Lui, il s'en sort. Il y a un seul truc qui va faire qu'elle s'en sorte. Il faut parler. Si tu penses, ça va sortir. Oui, déjà, où il est. C'est la même chose, une dame qui ne voulait pas à Zaroko, c'est la même chose. Hein. Comme ça, oh, ça a dégradé jusqu'à. C'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Quand ça te prend, le châtiment de Dieu, ça te dégrade jusqu'à. Le jour, je l'ai vu verser lui sur la tête, il a tiqué. Et quoi? Lui, tu verses sur ta tête? Et parce que c'est amusement. Tu es venu, on te donne un peu le temps de parler. Elle a dit la dernière fois qu'elle a tellement fait. C'est pas là? Tu ne peux pas parler, elle a parlé de parler. Mais tu as fait, il faut dire. Tu n'es pas plus sorcier que lui-là. Lui, il était grand sorcier, il est venu. Lui, ils l'ont chassé du village. Ils l'ont chassé du village, quoi. Il tue, puis demande pardon, c'est moi qui ai tué. Ils l'ont chassé du village. Son frère même, revolver pour lui, il m'a dit, lui-là, il va pas. Il dit la parole, vous l'avez délivré, mais je ne comprends pas. Comment il l'a récupéré? Son frère ne croit pas en lui. Qu'il va le tuer. Que lui, il ne peut pas changer. Mais le voici à nous. Il a changé aujourd'hui. C'est lui qui va interpréter son sorcier. Ça veut dire qu'on peut changer. C'est une question de volonté. Voilà, c'est une question de volonté. On a tellement de ex-sorciers ici. Voilà. Nous avons confiance en eux. Nous mangeons avec eux. Moi, chez moi, à la maison, il y a deux petites filles. Il y a deux filles. Tu sont à la maison avec moi. Ma nourriture et tout ça. Je suis avec. Un sorcier peut changer. C'est le message fort que nous donnons à l'église. Et non, quand tu es sorti, c'est fini. Non, il ne faut plus prier pour toi. Non, un sorcier peut changer. Mais Dieu connaît le cœur de chacun. Si elle n'est pas prête, c'est le châtiment de Dieu qui s'abattra sur sa vie. Ça, c'est clair. Dans la Bible, dit que celui qui sonde les cœurs, il est. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Ici, là, tout le monde est passé ici. Quelle confession on n'a jamais entendu ici? Mais ici, c'est pas aussi un jeu. Tu peux venir faire un semblant d'aveu pour te limiter, pour dire non, bon, c'est que je t'ai trop fait, et puis ça n'a qu'à s'arrêter là. Non, papa, il faut dire dans les moindres détails. Dieu même le sait qu'on a péché. Mais pourquoi nous demande de confesser? La confession fait partie, c'est un principe biblique. Il dit celui qui confesse ses péchés. Mais pourtant, il sait. Quand on est de chercher femme de quelqu'un, il connaît, il te voit.
Si tu as besoin que tu confesses. Mais c'est important, c'est un principe. La Bible dit que celui qui cache, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Isaïe 59. Mais si on aurait trop dû pourtant, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Donc c'est la même manière pour que Dieu se révèle une personne, c'est la confession. Et c'est ça qu'elle n'est pas prête. Ce n'est pas une question de sorcier. Quelle sorcier va venir ta bouche? Ici, la sorcier ne viendra plus fermer ta bouche. Parce que Dieu t'accordera cette grâce de t'exprimer et de te confesser, faire des erreurs. Mais si tu ne veux pas, tu vas te dégrader. Allez, ici, c'est comme ça ici. Quand tu commences, il faut finir. Si tu ne finis pas, c'est comme ça. On vient pisser les yeux. Très bien, Wanda. Eh bah ben. Oh, tu veux pas parler? Hein? L'amour qu'ils ont pour toi là, c'est ce qui nous amène à t'encourager à parler. Sinon, d'autres m'ont dit non, c'est sorcier, il va. Moi, mon souhait, je ne veux pas te voir mourir. Je ne veux même pas du tout. Pourquoi d'autres sont délivrés et puis c'est toi qui es frappé? Je vais te dégrader. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Hein? Je n'ai pas entendu bien. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Il faut parler. Oui, c'est sorcier. Tu as fait quoi? Moi, je suis. Oui. 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 Tu as tué le fils de ton oncle. Il n'a pas de nom. Le frère. Tu as tué la grande. Hein? La grande soeur. On a commencé fille de l'oncle. Là. Il va entrer en bas. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mon nom. Ton oncle, son fils t'a tué là. Il n'a pas de nom. Moi, il va me venir. Il va me faire. Il va bon, oui, oui. Il s'appelle Thibaut. Tu l'as tué. C'est toi qui l'as tué. Ok, qui encore? Hein? Le fils de votre oncle s'appelle Thibaut. Il s'appelle Thibaut. Il est mort. En quelle année? En 2006. 10. Tu recommences tes trucs là. Un jour, demain. Tu recommences ça. Tu as parlé de le fils de ton oncle, Thibaut. Ok. La deuxième personne, c'est qui? Comment je sais là? Tu vois que je suis en train de t'aider, hein? Moi, je veux pas que tu meurs. Je veux pas que tu meurs. Frère. Sinon, ça a été dosé. Et puis aujourd'hui, tu n'as plus parlé. C'est qui, hein? Hé, je suis ton jouet ou bien? Tu as tué Thibaut. C'est lui qui t'a tué. Hein? C'est Thibaut qui t'a tué. Après Thibaut, t'as tué qui? Tu. On va parler. Si tu ne parles pas, tu vas aller en affaire. Dieu. Mais oui. Tu vas aller pisser quel paradis? C'est Dieu dans le feu. Tu vas voir ton maître, Satan va dire, viens, ma fille. Allez, Jama. Fais ta place à côté ici. Ah, aujourd'hui là, c'est le dernier jour, hein? Elle n'a pas de nom. Moi, c'est le nom qui m'intéresse.
Tu dis, tu as envie de dire le nom. Oui, c'est le dernier jour. Tu ne parles pas, moi je te laisse. Il ne va plus te prendre. Là, ça sort maintenant. Combien de volume? Vous avez peur de Mordani. Tu sens cadavre, l'odeur de cadavre. Tu l'as tué en quelle année? Elle a tué en quelle année? Elle est morte encore? 2002. Tu as tué qui encore? Moi. Vous venez, si vous prenez une bouteille, vous pensez, si vous prenez ça abusement. Tu as tué qui? Moi, j'ai tué mon papa. Ton papa? Hein? Tu as tué ton papa? Je suis tué mon papa. Tu as tué ton papa? Oui, on est là. Tu as tué ton papa? Hein? Oui, non, tu as tué ton papa. Hein? Oui. Ok, et puis après, tu as tué petit frère de ton papa. Tu as la lodeur de oui. Elle sent cadavre, elle est comme. Elle pue. Petit frère de. Oui? C'est l'enfant de. Mon papa, là. Je ne le connais pas. Mais je ne sais pas comment il a fait. Pour le tuer. Mm. Ah, c'est un autre joué. Tu vois, c'est ça ton problème là. Tu rentres, après tu changes. Non, je t'ai laissé. Où est-ce que tu en as où? Je t'ai laissé. Je veux. Que tu fais. Hein? Elle dit quoi? Tu dis quoi? Quand il y a une, un gros camp frère, quand il y a une. Mais Agni là, tu te traduis? Quand il y a une. Tu as attaché ton petit frère. C'est qui? C'est qui? Où il est? Montre lui, montre. Je vois. Tu n'as pas de doigt. Touche-le, faut le toucher. Faut le toucher. Touche-le. Touche. Touche-le, touche. Lui là. Tu l'as attaché. Elle dit oui là, tu mets le visage. C'est comme ça. Tu l'as, lui là. Lui. Tu l'as attaché. Oui. Où tu l'as attaché? Ah, c'est ton problème là. Tu ne rentres pas dans les détails. Et pour nous, ce qui nous intéresse sont les détails. Quand tu dis tu as tué là, comment tu as tué, je ne sais pas. Et ça, je ne veux pas entendre ça. Faut nous expliquer comment tu as tué la personne. Tu l'as attaché. Hein? C'est sonné ta bouche, c'est pas moi qui parle, c'est toi qui parles. Quand tu dis que tu as attaché quelqu'un, c'est un être humain. On le voit ici, monsieur, il sort, il revient la portable en main, tu dis l'attaché. Il sort, il est bien habillé, il a portable en main, tu dis que tu l'as attaché. Non, explique-nous. Explique-nous comment tu l'as attaché. Ça nous intéresse, l'explication. Tu l'as attaché comment? Yeah. Vous êtes prêts pour parler, vous là? Vous allez parler? Hein? Ne m'amenez pas ici à Tiberoua pour venir à Divo. Oui, c'est vrai. Cette année, il n'avait pas fait cadeau, Jean. Quand il y a une. Moi, il s'est bien tué, sorcier. Vous êtes là. Tu dis, tu t'appelles qui? Non, il est resté longtemps, toi. Non, dis, stop, stop. Ah, d'accord, d'accord. Vas-y. Essayez de ne pas parler, mais laisse-moi. Quand il vient. Ah, d'accord. Quand il vient. Il parle. Mais je ne sais pas comment. Je vais charger. Hein? Pour tuer. Tu dis quoi? Quand il tue,
Je comprends pourquoi les gens vous frappent à vous. Parce que faut avoir la compassion des hommes, quoi, devant quelqu'un comme ça, puis tu es pas. Non, Kikimi, il va. Sinon, il y a d'autres, il a longtemps, ils sont engagés. Kikimi, tu es en train de te frapper déjà même. Oh, merde. C'est énervant. Des fois, voilà, mon il est l'enfant. Sinon, ailleurs, ouh, la longtemps, ils t'ont frappé. Le fait que tu as dit, tu as déjà tué, là, c'est fini, boum. Mais nous voulons coûte reprendre ton âme, d'aller arracher ton âme à Satan. Ben, cela ne dépend pas aussi de nous. Dieu est celui qui sauve les âmes. Nous avons notre part, c'est de t'aider. Moi, rien à dire. Es-tu franc? J'ai fait du mal. Ah oui, quel du mal à qui? Ah, t'es protégé, non? Protection, là, le sorcier est venu par là. Où est le sorcier? Sorcier dit ça, là, hein, c'est maïs. Sorcier dit ça, là, c'est maïs. Tout est attaché. Tu dis, cabri, tu cries, ben. T'as vu? Ah, mais ouais, je vais. Elle est consciente, tu dis, quoi? Elle dit, c'est pas toi, c'est pas là, tu dis, te protège. Je vais prendre ça, Yahweh. Je vais prendre tes rangs cabri. Tu dis, Yahweh. Non, papa, c'est comme ça. Il dit, c'est quoi? Il a porté ceinture de sécurité. C'est quand il a l'air sorti là. La femme là, faut pas aller, elle a laissé de doubler. Elle a laissé sorcellerie, elle a laissé de doubler. Non, tu peux pas, tu peux rien, je vais parler. La vie elle est dangereuse. Elle a laissé changer. Non, ici on voit tout. Hein? Je suis là pour terre, moi-même je suis prêt. J'ai livré un combat social, je suis resté tranquille. Comment Kafa fait moi quelqu'un ici? Oui. Non. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Oui, c'est la sorcellerie. Ça va maintenant? Vous pouvez prendre du moins comme vous voyez. La vielle est dans. Elle est dans. Quand tu me parlais d'elle. Quand il est venez m'attaquer. Vous attaquez les gens côté à côté. C'est moi qui vous dérange. Ou bien quelqu'un, je vois dans mon répertoire, je t'abats maintenant. Boum. Venez m'attaquer. Pourquoi ta femme n'avait pas chez moi? Attaquez-moi, vous allez voir. Missile et sol, j'ai envoyé sur toi. Si tu as pu amortir ça, là, tu vas. Elle dit quoi? Elle a ajouté en gros. Tu choisis quoi? La vie ou la mort? On te donne. Il veut que nous vous disions que nous avons. Tu veux pas la mort? Mais c'est ce que tu fais là. C'est comme si tu voulais la mort. Entre la vie et la mort, tu choisis quoi? Il veut parler. Mais il faut parler. Tu dis que. Pendant combien de jours ça? Depuis quand? Depuis les 7 on est venu, on a venu souvent, on est parti, on est venu. Oui. Tous les mercredis. Ah, on a vu. Rose. Rose, il y a moi, Bigon. Mathieu. Hein? Mathieu.
Tu peux parler. Tu peux parler. Non, parce que c'est un truc. Tu peux parler. Vous parlez. Il y a deux trucs. Ah. Quand il y a une. Ça va être vrai. Ça. Ça va être. Ça va être. Hey, sure, yeah. Oh, who could you? Elle dit quoi? Elle a tué beaucoup d'hommes, il dit même comme elle a dit trois. Aïe! Donc c'est fini, n'a pas de laisser. Mais elle dit, n'a pas de laisser. Soyez là, on parle. Elle dit pas. En cas de laisser. Elle a tué ma grande soeur. Tu as gâté qui? Moi, mais il y a ça qui va. Il a gâté. Tu as gâché lui là. Je venais prendre balle de protection là. Tu vas aller l'attacher. Tu as gâté qui encore? Moi, mais il y a ça qui va. J'ai gâté. Ma grande soeur. Elle est où? Votre grande soeur, vous crevez. Ma grande soeur, elle est. Elle est où? Qui s'appelle Afoua. Elle s'appelle quoi? Afoua. Qui t'abat? C'est qui est le mot d'aïe. Qui devant moi? Je ne veux pas parler. Dégage. Je ne la prends plus, hein. C'est fini. Il y a un bon cercueil. Il est délivré. Mais une mangeuse d'âme qui est morte dans la famille, c'est un délivré. Allons-y. J'ai tué Mane. Mane. Rien à la foule. Madame, vous vous présentez d'abord, ok? Vous vous présentez, vous venez d'où, vous êtes de quelle famille. Et quand vous expliquez Mamou, le lien, toi et Mamou, c'est qui Mamou? C'est ma cousine. Non, présentez-vous d'abord. Et comment, qu'est-ce que vous amenez ici et pourquoi vous êtes ici? Vous venez d'où et tout ça? Je viens de Digo. Je m'appelle comment? Je m'appelle Anne-Marie. Comment tu t'es retrouvée ici? C'est ma fille. Je cherchais la délivrance et puis ma fille, elle a vu un homme de Dieu qui fait délivrance. Des sorciers dans les villas de Vivo. Elle va? Elle dit qu'elle a vu à la télévision un homme de Dieu qui fait délivrance des sorciers dans les villas de Vivo. Oui. C'est ça, je suis venu ici. Non, je ne parle pas. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, allons-y. Ouais, donc, tu es retourné ici parce que. Je vais être délivré. Délivré de quoi? La sorcellerie. Ok. Tu es sorcier, c'est ça?
Ok, d'accord. Donc vous êtes venu spécialement pour être délivré. On ne vous a pas mis une pression. On ne vous a pas forcé de venir ici. Non. Moi-même, j'ai cherché les délivrances. J'ai parti dans les camps de délivrance. Mais pourquoi tu n'as pas été délivré là-bas? Je demande, comme tu pars dans les camps de délivrance, pourquoi tu n'as pas été délivré là-bas? Répondez-moi. Hein? Quand je vais dans les camps de prière, quand on chasse les démons, là, il revient encore. Il était tu ton démon ou bien? C'est comme ça. Tu ne veux pas changer, oui, c'est les gens, il revient. Je vais changer. Hein? Je vais changer. Madame. Allons-y, faites des amis. Vous avez tué qui, vous avez fait quoi et quoi? J'ai tué ma cousine Marie. Hein? Ma cousine Marie. Et j'ai tué Lazare. Comment t'as tué Manu, ta cousine? On l'a transformée en cousine. Comment toi tu l'as tué? Je t'ai pas dit que tu l'as transformée en quoi? Comment tu l'as tué? Pour la tuer là, c'est avec ma chef. C'est pas Gourdin. J'ai un Gourdin aussi. Mais c'est pas Gourdin. Si. Ah. Donc, vous venez jouer moi? Non. C'est juste le terrain à partir. Ça, comment vous arrivez à tuer une personne? Vous avez fait comment pour la tuer? Elle était là, puis je l'ai sonné à un boudin. Comme ça? Elle marchait comme ça? Explique-nous comment tu l'as trouvée, où elle était, où tu l'as tuée. Elle était dans la maison. Hein? Et je l'ai sonné à un boudin. Mais tu as fait quoi pour arriver à la maison là-bas? C'est ce qu'on te demande ou bien? Elle était à la maison, tu as fait quoi pour arriver à la maison? Faut expliquer? Pour rentrer dans les détails, hein? Sinon il te laisse tout chute. Pour rentrer dans les détails, tu devais te faire délivrer. Elle était à la maison. Mais tu as fait quoi pour arriver à la maison? C'est qu'ils t'ont pas vu. Je me suis transformé. Ah, mais c'est ce qu'on veut entendre ou bien? Oui, je l'ai suivi. Je me suis transformé en bœuf. Je me transforme en bœuf. C'est bien, c'est se transformer en bœuf pour rentrer dans la maison. En mouche. En souris. Madame, dégagez. C'est pas un pervier. Oiseau. Oh, pervier, c'est pas oiseau. Pervier, c'est pas oiseau. C'est pas un pervier, tu descends sous la toiture, tu pars, tu descends dans la maison. C'est pas comment arriver. Dégagez, allez. Où est la vieille là? Mais lui, on a fini à lui, non? Tu es prêt à parler? Encore là. Comment tu t'appelles? La bâche est bonne avec toi. Qui t'a donné? Tu es. Bifi. Non. Ce qui fait que tu es là, c'est quoi? Je suis sorcier. C'est la sorcière qui t'a envoyé ici. Tu veux être délivré? Oui. Qui t'a donné? Qui t'a donné? Ma grand-mère. Ça fait quoi, t'as mis du temps à de parler? Quelle grand-mère? Hein? Il y a grand-mère paternelle, grand-mère maternelle. La maman de mon papa. La maman de ton papa. Combien t'as dans la sorcellerie? J'ai mangé de la viande.